Par rapport au Covid, ouais, on avait décidé d'annuler dans un premier temps. Après, il y a eu un peu du changement par rapport au Covid. Du coup, on a décidé quand même de maintenir la fête à minima, mais quand même de garder la tradition du Bacubert. Ça a déçu beaucoup de personnes, nous les premiers, parce qu'on ne savait pas où on allait en venir, ou à continuer à faire la fête ou pas la faire. On ne savait pas le fin mot de la maladie. On essayait surtout de ne pas rompre la chaîne et de rentrer sur un cérémonial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une cérémonie pour continuer la tradition. Tout à côté de Briançon, à Pont-de-Servières, c'est conserver la tradition d'une danse des épées unique en France et peut-être en Europe. Chaque année, pour la fête de Saint-Roch, cette danse est exécutée par un groupe de 9 jeunes gens, accompagnés uniquement par la voix des jeunes femmes chantant à l'unisson. Les 45 figures se succèdent suivant un ordre immuable, sur un rythme qui les apparente aux danses guerrières ou magiques de l'Antiquité. Personne ne connaît plus le sens de cette coutume probablement païenne qui subsiste encore, on ne sait par quel miracle, en plein XXe siècle. Le miracle, c'est la détermination des habitants de Pont-de-Servières qui ont, de génération en génération, œuvré pour trouver et former du sang neuf pour l'avenir de cette tradition ancestrale et viscérale classée au patrimoine culturel et immatériel français. Ils sont rares ceux qui ont vécu à Pont-de-Servières et qui n'ont pas chanté, dansé le Bacubert ou le quadrille de la montagne au moins une fois dans leur vie. Tout cela se prépare, s'organise et se travaille année après année, et même en cette période de crise sanitaire, les plus jeunes étaient les premiers partants pour l'organisation de la Saint-Roch le 16 août à l'unanimité. Oh oui, c'est les jeunes les premiers qui ont demandé à que la danse se fasse. Ils ont ça dans le sang, moi aussi. C'est sûr que de ne pas faire le Bacubert, ça nous aurait vraiment affecté, je pense, tout le village et nous les premiers. Quoi. On a quand même fait quelques répétitions parce qu'on en a fait profiter 3-4 jeunes qui venaient d'intégrer l'année dernière la danse. Et donc ça leur a permis de bien danser, de faire un peu de la... pour l'année prochaine, de faire un peu d'expérience pour l'année prochaine, on puisse espérer faire deux groupes. On voulait faire deux groupes déjà cette année, on n'a pas pu le faire. Et donc, je les remercie d'ailleurs d'avoir fait les répétitions si tôt et d'être venu à toutes les répétitions qu'on a pu faire début août. Quoi. Normalement, par rapport à la fête, on fait aussi la fête en bas, la danse en deux fois, du coup, il fallait faire une réorganisation. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a réussi à faire quelque chose de bien. Nous, en tant que comité des fêtes, si on n'a pas la danse, on ne peut pas organiser la fête. Et vice-versa, si le Bacubert, ils n'ont pas le comité des fêtes, du coup, on essaie vraiment de se regrouper, d'être ensemble. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est trouver un consensus parmi les organisateurs et les danseurs. Et on a fait le choix cette année à ce que les danseurs soient des adultes et des adultes volontaires, consentants, pour mettre en œuvre la projection et du Bacubert et des danses folkloriques que sont le quadrille de la montagne. 16 août, à l'aube, comme à l'accoutumée, on cuit le pain dans le four de la commune. Chaque année, il s'en prépare 300, mais 2020, année très particulière, il s'en est cuit seulement 150 qui sont partis, il faut le dire, comme des petits pains, car très prisés des habitants de Pont-de-Servières et des touristes. Le boulanger cuit aussi une grosse miche qui sera découpée en petits morceaux et bénie lors de la messe pour être distribuée à tous les fidèles dès la fin de la célébration. C'est le pain de pain béni, c'est-à-dire qu'après ils se le partagent à la fin de la messe. Quoi. Bienvenue, sauf que tu me le demandais hier, tu
reviendra bien. Salle Albert Bourges, pendant la messe, les volontaires pour le cérémonial se préparent. Tout est très méthodique et précis, un cérémonial transmis et répété depuis plus de 150 ans. Et c'est la même chose pour les chanteuses, danseuses et danseurs du Bacubert et quadrille de la montagne. Là encore, le souci du détail et de la perfection dans la préparation des costumes, une implication générationnelle qui perdure depuis de nombreuses années. Il est 11h et tous se rassemblent sur la place de l'église pour rejoindre en cortège le boulodrome où exceptionnellement aura lieu cette année la fête de la Saint-Roch. Je vous laisse vivre ces moments toujours très forts en émotion pour les Doutous. Nous ferons qu'une célébration parce que nous avons un amour viscéral pour nos traditions, pour le souvenir de nos anciens, et nous tenions absolument à présenter de manière un petit peu plus discrète que d'habitude, mais de quand même le faire, le Bacubert, ainsi qu'après succéderont quelques danses du folklore traditionnel animé par le quartier de la montagne.
fascination et mystère, le Bac Hubert reste l'âme de Pont-de-Servières, même si, Covid oblige, la fête est organisée à minima. Retour place de l'église pour un apéro offert par le comité des fêtes, suivi de saucisses, merguez, frites pour les repas, l'occasion pour les fidèles de rencontres et retrouvailles entre anciens et jeunes. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, ils sont vacances et sont sortis. Dans le même temps, le traditionnel concours de pétanque derrière le gymnase des Garcins, en mémoire des Doutous, Jules Lorenzelli, Gérard Telmon et Riri Arnaud. C'est pas moins de 50 équipes qui s'affrontent avec la finale en nocturne sur la place de l'église, suivie d'une petite soirée dansante animée par DJ Jean-Jean pour clôturer cette édition 2020 très spéciale mais particulièrement réussie. S'imaginer. Allez, joue avant tout le monde chanter. Déjà, les Beatles, c'était quatre garçons. Attention les bras, attention les bras. Paris tenu, parce qu'en fait, le flambeau a été transmis une année de plus. 2020 restera une année mémorable, une année historique. J'espère qu'il sera un petit peu unique dans l'histoire du Bac Hubert. Mais quoi qu'il en soit, cette année, même à la limite, les habitants du village, par rapport au format qui a été mis en place cette année, ils s'y retrouvent.